Général des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG. L'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit. On vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous pouvez côtoyer des gens atteints de la drépanocytose sans le savoir. Cette maladie invisible, au nom poétique, l'est beaucoup moins en réalité. S'exprimant à coups de douleur et de grosses fatigues, elle peut vite être assimilée à de la paresse par méconnaissance et manque d'information de l'entourage. Sa particularité réside dans sa grande fréquence parmi certaines populations, les communautés noires, méditerranéennes ou indiennes. La drépanocytose ou anémie falciforme, appelée en langue nationale morée Kamwetse et Andula Kolochi, est une maladie qui détruit les globules rouges du sang. Elle induit la formation d'une protéine d'hémoglobine anormale, hémoglobine S, HBS, qui détruit les globules rouges. Elle entraîne des crises douloureuses et des obstructions des vaisseaux sanguins, signe de destruction de globules rouges. C'est la maladie héréditaire la plus répandue dans le monde. Personne ne détient les chiffres exacts, mais l'OMS estime qu'elle concernerait plus de 150 millions de personnes, malades, porteurs sains, donc des transmetteurs, et de plus de 300 000 nouvelles naissances chaque année. Raison pour laquelle, depuis 2003, l'OMS a décrété la date du 19 juin, journée mondiale de la drépanocytose. Quelle est la situation de la drépanocytose au Burkina Faso? Comment les drépanocytaires vivent au quotidien? Quelle prise en charge de la maladie? Autant de questions que nos invités prendront du plaisir à répondre. Il s'agit de Innocent Pierre Guissou, docteur en sciences pharmaceutiques, spécialiste de pharmacologie et de toxicologie. Il est professeur titulaire à l'Université Saint-Thomas d'Aquin, doyen de la Faculté des sciences de la santé. Docteur Ibrahima Ouédraogo, docteur Ouédraogo est pédiatre, drépanocytologue au CHU Yalgado Ouédraogo. Et puis également sur ce plateau, docteur Abdoul Gani Sawadogo, il est médecin épidémiologiste, drépanocytologue. Bonsoir monsieur, et merci d'être sur ce plateau. Merci. Bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous suivre. Vos questions et autres préoccupations sont attendues au 25 40 79 03. Professeur Guissou, qui peut être atteint de la drépanocytose et est-ce qu'elle est présente partout dans le monde? La drépanocytose touche en réalité diverses personnes. Mais il faut dire qu'il s'agit de gens qui ont hérité d'une pathologie de leurs parents géniteurs et que bon, on les retrouve un peu partout aujourd'hui dans le monde. Pourquoi? Parce que vous avez des mariages mixtes, vous avez des migrations et on en trouve donc surtout en Afrique, l'Afrique du Nord, Afrique centrale, on en trouve dans la zone méditerranéenne. On en trouve au niveau même de l'Amérique du Sud, notamment au Brésil, et on en trouve en Asie. Voilà. Donc, de plus en plus avec les migrations, ça va s'étendre. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que bon, ce qu'il va avoir comme progéniture pourra échapper ou pas. Donc, il y a le plateau, qui est le tableau qui vient de. Qui faisait une petite description de la situation. C'est vrai, le tableau est revenu. Voilà. D'accord. Donc, vous voulez qu'on commente? Oui, vous pouvez commenter, s'il vous plaît, professeur Guissou. Alors, ici, nous avons devant nous un tableau qui dit que quand il y a deux personnes qui veulent s'unir et qu'ils portent déjà ce qu'on va appeler le trait qui peut conduire à la drépanocytose, vous voyez, nous avons à gauche. Soit le monsieur, soit la madame qui est AS, et à droite la même chose, de telle façon que au niveau des enfants, vous allez avoir quelqu'un sur quatre enfants, il y a un qui va avoir l'hémoglobine adulte normale, AA, vous allez avoir deux qui vont avoir
les traits des parents, AS, AS, et vous allez avoir un. Voilà, lui, il va être SS. C'est comme ça que ça se passe. Mmh, ça ne dépend pas de la femme, ça ne dépend pas de l'homme. Mmh. C'est un croisement. Docteur Sawado, quelle est la situation épidémiologique de la drépanocytose dans le monde, en Afrique et au Burkina Faso? Alors, il faut dire que pour ce qui concerne la drépanocytose, les premiers cas ont été décrits depuis 1910. Et c'est une maladie qui touche plus de 155 pays à travers les 5 continents. Et l'OMS estime qu'il y a environ 150 millions de personnes qui sont soit drépanocytaires, soit porteurs donc du trait drépanocytaire. Et cette même organisation estime qu'il y a environ 300 000 nouvelles naissances d'enfants drépanocytaires à travers le monde. Et parmi ces 300 000, malheureusement, jusqu'à 200 000 concernent notre seul continent. Et il faut dire que c'est une maladie qui a été développée pour justement faire face à un moment donné au paludisme. Et quand vous regardez donc et la carte de répartition de la drépanocytose et la carte de la répartition du paludisme, vous voyez qu'il y a une forme de ressemblance. Donc, et si on revient justement en Afrique, la prévalence du trait drépanocytaire peut varier de 10 à 40%. Ça veut dire qu'on prend 100 personnes, on peut avoir jusqu'à 40 personnes qui ont le trait drépanocytaire. Et la mortalité concerne surtout les enfants de moins de 5 ans. Et on estime que entre 50 et 80% des enfants, en tout cas, mourront avant l'âge adulte. Et malheureusement, jusqu'à 70% de ces décès pourraient être évités. Pour ce qui concerne notre pays, il faut dire que c'est une maladie qui est orpheline, qui ne bénéficie d'aucune prise en charge. Et au Burkina Faso, il y a des études qui ont été menées qui rapportent que, par exemple, la prévalence des personnes AS sont jusqu'à 6 à 12,4% et les personnes AC 19,2%. Et rapidement, permettez-moi donc de vous présenter quelques statistiques. Allez-y, à partir donc de l'annuaire statistique du ministère de la Santé 2019, on attendait environ 897 371 nouvelles naissances. Et quand on fait le rapprochement avec une étude que le professeur Cafando Eleonore, une des personnes, sinon la référence même en termes de drépanocytose au Burkina, on peut rapidement voir les chiffres et ça donne à peu près, sur cette même période, 5385 enfants qui seraient nés SS et 10320 qui seraient nés SC. Et ça fait un cumul donc de 15704 enfants qui seraient nés. Et si on recule encore la pyramide des statistiques, on peut estimer qu'au Burkina Faso, chaque heure, il y a deux enfants qui naissent drépanocytaires. Et donc, ça fait des chiffres suffisamment alarmants. Et ça donne à peu près 5,23% des naissances drépanocytaires à travers le monde et 7,85% en Afrique. Voilà. Docteur Ouédraogo, quelles sont les formes cliniques de la drépanocytose? Ok, merci. Disons qu'on a deux grands groupes de formes cliniques. Voilà. Je vais commencer d'abord par la forme asymptomatique. Il n'y a pas de manifestation. Et cette forme-là est AS. On la caractérise du trait drépanocytaire. Maintenant, on a un autre grand groupe qu'on appelle les syndromes drépanocytaires majeurs qui ont des manifestations comme la douleur, l'anémie et les infections à répétition. À l'intérieur de ce grand groupe de syndromes drépanocytaires majeurs, on peut encore les classer en formes sévères, où on retrouve la forme SS et la forme S-bêta-0-thalassémie. Voilà. Et maintenant, la forme modérée, dans laquelle on trouve la forme SC et la forme S-bêta+. La forme SC qui est beaucoup plus fréquente donc, dans notre pays. Voilà. Donc, voici en termes quelques formes cliniques qu'on retrouve. Et comment évolue la maladie, docteur Ouédra Sawadogo? Plusieurs éléments entrent
dans, en ligne de compte donc, de l'évolution de la maladie. C'est déjà l'âge de dépistage de cette maladie. Plus c'est dépisté tôt, moins ça va évoluer vers les complications. Il y a également, quoi qu'on dise, le niveau socio-économique du patient et de sa famille. Il y a, pourquoi pas, le système de santé et l'organisation donc, du système de santé qui permet donc soit un plateau technique suffisamment armé pour faire face ou alors les situations où ces patients sont présents des comorbidités. Et classiquement, la maladie drépanocytaire évolue en des crises aiguës qui peuvent malheureusement mettre en jeu le pronostic vital. La maladie peut également évoluer vers des complications chroniques et la personne va malheureusement garder des séquelles. Et comme vous l'avez dit dans la présentation, les appellations dans nos langues locales ont tendance à lier cette maladie à une maladie qui broie les os. Et donc, on a des patients qui finissent malheureusement par être, disons, handicapés parce que la maladie va broyer la tête du fémur. Et ceux qui ont les moyens pourront se faire porter des prothèses. Ceux qui n'en auront pas, malheureusement, vont continuer à porter le poids de cette pathologie. Et à partir de quel âge, docteur Ouédraogo, les symptômes de la maladie apparaissent? À partir de quel âge? Disons que les signes cliniques de la maladie drépanocytaire commencent à apparaître au moment où l'hémoglobine fœtale est remplacée par l'hémoglobine adulte. Voilà. Donc tout dépend de la vitesse avec laquelle donc, cette hémoglobine fœtale-là sera remplacée. Donc c'est dire qu'il y aura des formes où les signes vont apparaître précocement et des formes où les signes vont apparaître tardivement. Également, tout dépend également des autres anomalies de l'hémoglobine qui s'y associent. Mais de façon générale, en moyenne, c'est autour de 6 mois que les symptômes-là apparaissent. D'accord. Pourquoi ce sont les globules rouges qui sont concernés par la drépanocytose, professeur Guissot? Parce que la structure même intime du globule rouge va être touchée à travers une protéine qu'elle contient, qui est l'hémoglobine. Cette hémoglobine normale que nous avons vue dans le schéma qui est A, la A, voilà, et elle est faite d'une chaîne A et une chaîne B, on dit alpha et bêta. Et voilà, donc la bêta peut subir justement des mutations liées donc au porteur de cette dans son patrimoine génétique. Voilà, et l'hémoglobine va devenir anormale et notamment elle va prendre l'aspect de s'agglomérer et donc de rendre le globule rouge inefficace du point de vue physiologique. Voilà. Donc, or l'hémoglobine dans sa fonction physiologique c'est de transporter l'oxygène pour tous les tissus et si un tissu ne reçoit pas de l'oxygène, ben, au final, il va se détruire. Tout à fait. Voilà. Et en même temps, ça donne à au globule rouge un aspect fragile et rigide. Ce qui fait que pour circuler à travers les vaisseaux, il va avoir des difficultés et peut même provoquer des problèmes, justement, la complication de la circulation sanguine. Et comment établit-on le diagnostic? C'est par des examens biologiques ou génétiques? Toujours avec le professeur Guissot. Oui, disons que le diagnostic, bon, on va dire que tout est biologique. Il y a le premier aspect qu'on peut voir au microscope. On va voir donc le globule rouge qui s'est déformé, qui prend la forme d'un fossile. Voilà, comme ou encore pour faciliter un croissant. Voilà. Et donc, on va voir ça au niveau du microscope et on va faire ce diagnostic, disons, de premier niveau. Ensuite, on peut faire une identification de l'hémoglobine. Et ça se fait par des isolements migration, ce qui nous permet d'avoir, en tout cas au niveau laboratoire, on fait de l'électrophorèse ou alors de la chromatographie qui va nous typer justement le type d'hémoglobine. Bon. Ensuite, il y a d'autres, surtout l'aspect, la biologie moléculaire, génétique.
qui peut permettre de remonter même sur la structuration intime de l'aime et qui peut permettre même de relier ce que l'on va tester chez un enfant à ses parents, voilà, et donc donner comment l'anomalie se présente. On verra que ce type de possibilités génétiques-là peut permettre, comme il disait tantôt, de faire un diagnostic précoce et qui peut permettre... Ce qui est déterminant dans la prise en charge. Voilà. Et puis aussi la prévention de celui que l'on connaît, qui est drépanocytaire, prendre très bien soin de cet enfant-là. Maladie génétique, la drépanocytose touche de nombreux enfants au Burkina Faso. Environ 900 enfants atteints de drépanocytose sont pris en charge au service pédiatrique du CHU Sourosano à Bobo-Dioulasso. Des patients qui sont suivis de façon régulière en vue de leur éviter toute complication liée à la maladie. Comment cela se passe sur le terrain? Élément de réponse avec Hassan Gourabou et Widja Rokia Sano. Pédiatrie du centre hospitalier universitaire Sourosano, une journée chargée commence pour le docteur Hélène Traoré. Comme tous les mardis et jeudis, elle a rendez-vous avec une quinzaine de patients drépanocytaires dont l'âge varie entre 4 et 20 ans. C'est des enfants que nous avons commencé à suivre depuis l'âge de 2 ans et pour les préparer et donner aux adultes, parfois ça traîne un peu. Nous avons des enfants de plus jeunes que ça et que nous avons pu dépister par le biais du dépistage néonatal. Personnellement, les enfants que je suis, et la cohorte fait à peu près 900 enfants. Et dans les 900 enfants, nous avons les deux tiers qui sont SC et un tiers SS. Le petit Thierry est arrivé de Diébougou avec ses parents pour son suivi périodique. Il en est ainsi au moins deux fois par an pour les patients qui ne sont pas sujets à des crises fréquentes. Chez les plus symptomatiques, cela peut aller jusqu'à 6 fois l'année. Dans le suivi de l'enfant, il faut prévenir certaines choses. Le traitement préventif de l'anémie. Et de l'anémie, ce traitement est basé sur la prise d'une vitamine que nous appelons acide folique. Dès le début, nous expliquons aux parents que c'est un médicament que l'enfant aura à prendre pendant toute sa vie. En plus de ça, si l'enfant a plus de 2 ans, nous faisons régulièrement un déparasitage. Donc, nous calquons le déparasitage sur les rendez-vous de l'enfant. Ça peut être tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Troisième volet, c'est vraiment la prévention des infections, la vaccination. Ce suivi ne saurait produire l'effet escompté sans l'engagement des parents au regard du jeune âge des patients. Des fois, il oublie de prendre le produit, c'est moi qui lui appelle ça, il faut de prendre le produit. Bon, en fait, dès le début, il piquait des crises, mais quand j'ai fait le suivi, maintenant, actuellement, ça va. On fait tout pour respecter les rendez-vous donnés par les prescripteurs. Dieu merci, comme il est en train de grandir, il comprend aussi, souvent même quand bien que nous ne doit pas oublier, lui, il vient nous rappeler, ah papa, non, je dois prendre le médicament. Vous avez vu même que le docteur a attiré son attention par rapport à la saison hivernale qui s'avance. Voilà. Donc, la pluie est un facteur aussi qui peut réveiller la crise. Docteur nous a conseillé de nous doucher tôt dans la journée, de nous protéger du froid afin d'éviter les crises, d'avoir une bonne hygiène pour éviter les infections. Boire assez d'eau et éviter les efforts physiques intenses, cela fait aussi partie des recommandations du docteur Traoré. Une fois toutes ces consignes assimilées, les difficultés dans la prise en charge de ces malades se résument à la disponibilité de certains produits comme le vaccin du pneumocoque actuellement et la question financière. Chaque suivi, il nous faut contrôler le taux d'hémoglobine pour voir si ce n'est pas trop bas. Et ça, c'est à la charge des parents. Heureusement, avec la gratuité, chez les moins de 5 ans, nous avons ce souci élevé. Voilà.
Donc, il y a les examens complémentaires, ça peut être la numération, ça peut être une consultation en ophtalmo pour les enfants qui ont 7-10 ans. Et là, c'est payant. Donc, les parents peuvent venir nous dire « Ah, j'ai pas pu faire ça parce que j'ai pas les moyens. » Le problème aussi avec la vaccination, tout ça, c'est côté financier. Parce que le moins cher des vaccins, c'est dans les 4 000. Sinon, 10 000. Sinon, 23 000. C'est surtout ce côté financier qui nous pose problème. Et là, quand un enfant drépanocytaire doit être hospitalisé, souvent, ce n'est pas facile. En vue de faciliter la prise en charge de la maladie, Dr Traoré suggère la mise en place d'associations de drépanocytaires ou de parents d'enfants drépanocytaires. Ensemble, ils pourront mieux plaider pour l'octroi de subventions dans le cadre du traitement de la drépanocytose. Sentir ses os broyés par un marteau piqueur, des affections de la mobilité en passant par la stigmatisation, ce sont les difficultés auxquelles doivent faire face les drépanocytaires pendant les périodes de crise. Ils sont également confrontés à des peines que seuls peuvent bien décrire et cela affecte aussi les parents, surtout après avoir découvert que de simples dispositions auraient pu éviter de donner naissance à des enfants drépanocytaires. Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. Monsieur Guinée et Mademoiselle Kwanda sont tous porteurs des hémoglobines SC. Les médecins disent d'eux qu'ils sont des drépanocytaires. La forme de leur globule rouge est si particulière qu'elle les handicape à certains niveaux. Et cela se traduit dans beaucoup de cas par des crises. C'est vraiment intense les crises. Des fois, quand c'est vraiment, vraiment intense, on ne peut pas décrire quoi. C'est comme si on te fracassait les os. C'est vraiment douloureux. Mais bon, sur le plan moral, on se demande pourquoi pas. On demande pourquoi. On a envie que ça finisse rapidement, vite, vite. Les mêmes interrogations sont posées par les parents d'enfants drépanocytaires. Voir régulièrement son enfant qui souffre sans qu'on ne puisse définitivement le soulager est un supplice pour beaucoup de parents. Il suffit d'avoir une émotion quelconque, ou bien la fièvre, ou les infections. En tout cas, il y a plusieurs facteurs déclenchants. Et donc, lorsque vous gérez la crise de votre enfant drépanocytaire, vous pensez à la crise présente, mais vous êtes angoissé aussi pour la suite. Et lorsque vous sortez de l'hôpital, vous vous posez la question, c'est pour combien de temps que je serai hors de l'hôpital? Une angoisse permanente, car les personnes drépanocytaires doivent vivre continuellement avec cela. Mais ce n'est pas souvent aisé, quand dès l'enfance, ils doivent souvent faire face à des stigmatisations, faisant croire qu'ils ne vivraient pas plus de 25 ans. À son temps, ça m'a choqué. Quand j'étais à l'école primaire, je suis parti au dispensaire, j'ai piqué la crise. Je sentais en fait le début de la crise. Donc je me suis dirigé au dispensaire et arrivé, l'infirmier m'a confirmé que en fait, c'est une crise, mais que je ne pouvais pas dépasser 18 ans. Quand je suis revenu dans la cour de l'école, avec le stress, j'ai partagé à mes voisins qui sont là. Et paf, c'est parti. En fait, d'autres se moquaient de moi, d'autres étaient soucieux de moi. Je l'ai parti avant 18 ans ou juste à 18 ans. Ce pronostic s'est retrouvé nul et non avenu, car aujourd'hui, M. Guéné a 44 ans et il se porte bien dans sa peau. Amsetou, elle a 22 ans. Si aujourd'hui elle nous parle sans complexe, c'est parce qu'elle a pu passer plusieurs caps. J'ai eu à faire une année blanche en quatrième. Quand j'étais hospitalisée, j'ai fait 4 mois et demi d'hospitalisation. Et c'est suite à cela que j'ai eu des problèmes sur le plan moteur. Je n'arrivais pas à me déplacer, j'étais en fauteuil roulant. Ça a un peu joué sur ça. Et je voulais même arrêter les études parce que sur le plan moral, je ne croyais plus. Avec des amis et tout, ça va aujourd'hui, mais Amsetou et M. Guiné sont conscients qu'ils doivent vivre continuellement avec la drépanocytose.
La principale raison de cette situation réside dans les gènes qu'ils ont hérités des deux parents. Ne pas attendre de vouloir faire un bilan prénuptial dans le but de se marier et en ce moment découvrir qu'on est porteur de l'hémoglobine S. Il faut faire le dépistage. Donc si vous avez des enfants, faites le dépistage très tôt. Maintenant, si vous êtes des adultes, vous ne connaissez pas votre électrophorèse, il faut le faire. Ça peut vous aider. Ça peut aider aussi vos enfants. Parce qu'une fois qu'on est conscient qu'on est porteur de l'hémoglobine S et que notre conjoint ou notre conjointe est également porteur de l'hémoglobine S, ça veut dire qu'on aura des enfants qui vont être des syndromes de Bannister majeurs. Et pour éviter cela, les tourtereaux sont invités à faire primer le bon sens. Les porteurs des hémoglobines SS et SC sont confrontés à des complications, comme vous venez de le voir dans le reportage précédent, du fait de la drépanocytose. La plupart développent des crises qui peuvent affecter leur articulation, leur vision et dans certains cas, leur sexualité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la drépanocytose n'est pas synonyme de fatalité, car il y a des drépanocytaires de plus de 60 ans. Mais pour bien vivre avec sa maladie, il faut se dépister de façon précoce et se faire suivre régulièrement par un médecin. On en sait davantage dans ce reportage signé Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. Pour le commun des Burkinabés, la drépanocytose est synonyme de crise accompagnée de douleurs. Chez les médecins, ces douleurs sont le résultat de complications aiguës ou chroniques. Ces complications peuvent affecter la vision au point de rendre aveugles les personnes drépanocytaires. Parfois, c'est la mobilité qui est affectée. Et dans les complications chroniques, nous pouvons voir des patients qui sont porteurs de l'ostéonécrose de la hanche. Donc vous pouvez les voir souvent qui boitillent, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Mais en fait, c'est d'emblée une complication chronique parce que le sang ne s'oxygénant pas bien, justement, à certaines parties du corps, justement, n'oxygène pas ces zones et entraîne ces complications. Dans les cas extrêmes, la drépanocytose peut affecter la sexualité chez les patients masculins. Les médecins parlent ainsi de priapisme. Le priapisme qui est une complication aigux ou un accident qui arrive chez les drépanocytaires hommes qui ont des érections douloureuses et malheureusement qui n'en parlent pas parce qu'ils ont honte ou bien ils sont très mal pris en charge. Généralement, on se moque d'eux pensant que c'est un coït qui s'est mal tourné. Pourtant, c'est un drame que ce patient est en train de vivre. Et il y en a qui perdent leur virilité suite à ce priapisme. Il faut surtout noter que ce n'est pas une fatalité de porter les hémoglobines SS ou SC. On peut être drépanocytaire et vivre pleinement plus de 70 ans. Mais pour cela, il y a certaines recommandations à observer à la lettre. La première est de consulter régulièrement un médecin. Donc, l'important justement du suivi, c'est non seulement éviter les crises, mais lorsqu'il y a des complications qui veulent survenir, puisqu'il y a des examens systématiques qui sont faits lors de ces suivis-là, on peut, en travers ces examens systématiques-là, découvrir des débuts de complications, n'est-ce pas, qui peuvent en tout cas faire l'objet d'une prise en charge. Nous avons l'exemple particulier, par exemple, de l'œil. Où on peut avoir un décollement de rétine chez un enfant drépanocytaire qui n'est pas suivi. Donc en faisant des fonds régulièrement, on peut se rendre compte du début du décollement de rétine et avec nos collègues ophtalmologues, on peut faire justement coller justement cette rétine-là et en ce moment, le problème est résolu. À côté du suivi, les médecins exhortent les personnes drépanocytaires à se protéger du froid car il rend difficile la circulation de leur sang. Et pour améliorer cette circulation sanguine à tout moment, les personnes drépanocytaires sont invitées à s'hydrater régulièrement. Dans la drépanocytose, ce qu'il y a, vous avez des globules rouges de façon caricaturale qui ont changé de forme. Donc du coup, ils n'ont plus la flexibilité, ils ne peuvent plus se déformer pour passer les petits vaisseaux. Et donc ce qui se passe, c'est que si l'enfant consomme suffisamment de liquide, la taille des vaisseaux s'ouvre suffisamment pour que ces éléments-là puissent passer. Il faut plutôt amener l'enfant à boire, mettre l'eau à disposition de l'enfant régulièrement, ce qui va amener l'enfant à être à l'aise avec cette boisson-là. Et quand l'enfant grandit, bien ça devient une habitude et l'enfant boit régulièrement. Ce geste simplement
peut pratiquement réduire la moitié des crises drépanocytaires chez nos enfants. De nos jours, ces crises des drépanocytaires peuvent être réduites à cause de l'évolution des techniques de prise en charge. Cependant, la principale difficulté est financière. Le suivi coûte cher. Le suivi coûte cher puisque la vaccination, les vaccins sont à tous un certain, ont un certain coût. Donc si vous faites une ordonnance de 3 vaccins, vous êtes déjà au-delà des 20 000. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et sincèrement, je profiterai de ce reportage pour solliciter un soutien pour ces parents-là. Cet appel est lancé également par le comité d'initiative contre la drépanocytose, une structure qui offre des cadres d'échange et de prise en charge des personnes drépanocytaires. Notre plaidoyer, c'est vraiment pour en fait amener les partenaires techniques et financiers, les structures publiques et privées de santé, à prendre en compte en tout cas la question de la drépanocytose pour mieux assurer la qualité de vie des personnes drépanocytaires. Mais d'ores et déjà, le comité d'initiative contre la drépanocytose dispose d'un numéro vert pour apporter des conseils à ceux qui sont intéressés et aussi pour soutenir les personnes drépanocytaires dans leur prise en charge. Le tout donc sur ce plateau avec nos invités. Docteur Ouédraogo, revenons sur les complications graves de la drépanocytose. Ok, je pense que à travers ce reportage, mes confrères sont revenus sur certaines complications de la drépanocytose, notamment les complications oculaires, les complications donc ostéo-articulaires, qui peuvent entraîner donc des handicaps, soit visuels, soit des boiteries. À côté de cela aussi, il y a des complications graves qui peuvent emporter le malade. Voilà, parmi lesquelles, et ces complications graves-là, touchent certains organes, notamment le poumon, par exemple, donc, qui peut donner un syndrome thoracique aigu qui va se manifester donc, par une toux, des difficultés respiratoires, la saturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang qui va baisser. Et cela peut nécessiter donc une hospitalisation en unité de réanimation. À côté de ça aussi, nous avons les complications neurologiques, notamment l'accident vasculaire cérébral qui est dû à une obstruction des vaisseaux au niveau donc, du cerveau et qui va faire perdre la fonctionnalité du moins d'une partie du corps. Et donc, c'est un handicapé à vie aussi. Et à côté de ça, il y a les anémies sévères donc, qui sont de causes diverses. Voilà, donc soit liées aux infections, soit liées donc, à une atteinte directe de la moelle osseuse, soit par des virus, soit par certains médicaments qui sont toxiques. Je voulais également rappeler aussi la contribution aussi des infections sévères, notamment liées aux bactéries, qui peuvent donner des pneumonies, qui peuvent donner des septicémies, et également le paludisme dans notre contexte également. Donc c'est pourquoi vous allez voir que chez nos patients, par exemple, en cette période-là, on leur donne une certaine prévention contre le palu. Également pour les infections bactériennes, on les fait vacciner et on leur donne des antibiotiques pour ceux qui sont plus jeunes à prendre de façon quotidienne. Donc voici un peu ramassé ce que je voudrais donc ajouter à voilà. À ce qui a été dit dans le reportage. Voilà, le priapisme, voilà, pour lequel, comme ça a été bien développé, je ne suis pas revenu là-dessus. Voilà. Ok. Docteur Savadogo, peut-on prévenir ces complications? Si oui, comment? Effectivement, la médecine a suffisamment évolué dans ce domaine et on l'a très bien vu dans le reportage. La première chose à faire pour le patient drépanocytaire, c'est de communiquer avec son corps. Communiquer avec son corps, c'est dire que le drépanocytaire doit se connaître donc les facteurs qui déclenchent ces crises. Et bien entendu, il faut que le fait de connaître ces facteurs déclencheurs-là, il doit travailler à les éviter. Un suivi régulier est indispensable. Parce que c'est au décours de ces suivis réguliers-là qu'on va dépister éventuellement de potentielles complications. Et dans le reportage également, on l'a vu, il faut éviter le froid, il faut aussi éviter la chaleur. Parce que le froid va entraîner donc ce qu'on appelle une vasoconstriction.
et donc ça réduit la lumière donc des vaisseaux et le sang ne circule pas bien. À côté de ça, il y a la chaleur qui va contribuer à déshydrater. Et il faut éviter les températures extrêmes. Les températures extrêmes. Il faut naturellement éviter ce qu'on appelle toutes les situations de stress. Et il y a certains spécialistes même de la maladie qui confondent donc la drépanocytose à la maladie du stress. Parce que toute situation de stress va donc déclencher la crise. Et à côté de cela, il y a ce qu'on appelle les 10 règles donc de la drépanocytose. Les 10 règles d'or, c'est un document qui a été élaboré également par l'équipe du professeur Cafando. Et c'est des mesures qu'on doit enseigner aux drépanocytaires. Et le drépanocytaire ne réussira pas à vaincre la maladie par le seul fait simplement des cliniciens, des médecins qui le suivent, mais par le fait d'être dans un entourage qui le rassure. Une fois qu'il est dans un entourage, il sent qu'il est rassuré, il sera à même de pouvoir combattre cette pathologie. Parce que si tu es là, parfois il y en a qui te disent « j'ai mal, mais j'ai peur d'en parler pour qu'on ne me confonde pas un moins que rien à un morpion, etc. » Il souffre dans sa peau et donc il ne cherche pas à soulager cette douleur. Et toutes ces situations de douleur-là vont amplifier davantage la destruction des globules rouges. Et une fois que les globules rouges sont détruits, l'oxygène nécessaire qui doit arriver aux différents organes ne sera pas suffisant. Et malheureusement, ces patients-là vont rentrer en complications souvent irréversibles. Voilà. Donc on peut très bien prévenir les complications. Il suffit juste d'éduquer suffisamment nos drépanocytaires. Il suffit de les accompagner. Il suffit de vivre leur douleur et de ne pas négliger. Parce que quand quelqu'un te dit « j'ai mal », l'apport de la famille est exactement essentiel. Que ce soit la famille, l'entourage, le milieu de vie, l'école, le milieu professionnel, etc. Tout à fait. Mais quelles peuvent être les conséquences de cette maladie dans la famille? Quand on a un enfant ou plusieurs drépanocytaires dans une famille, alors, quelles peuvent être les conséquences? La première conséquence que les parents doivent éviter, c'est le sentiment de culpabilité. Il y a beaucoup de parents qui se sentent responsables de la maladie de leur enfant. Et malheureusement, quand on est dans cette situation, on a du mal donc à mieux accompagner l'enfant. Le deuxième aspect, c'est que c'est une maladie qui est invalidante, qui a un poids psychologique et socio-économique très, très important, qui fait que malheureusement, il y a beaucoup, on l'a vu également dans le reportage, la jeune fille qui a fait une année blanche du fait des crises douloureuses répétitives. C'est-à-dire qu'il y en a qui abandonnent carrément l'école. Il y a d'autres qui sont malheureusement... Elle a été hospitalisée 4 mois et demi. 4 mois et demi, ça ne peut plus continuer en termes d'année scolaire. Il y en a qui perdent leur emploi parce que régulièrement absent du boulot. Il y en a malheureusement qui vont être amenés à divorcer. Parce que voilà, le mari, ne supportant pas les coûts liés aux soins, etc., va se dire, bon, voilà. Et à côté de ça, c'est une maladie. Si elle n'est pas bien suivie, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Ça peut entraîner donc des fausses couches. Et malheureusement, en Afrique, une femme dans un foyer sans enfant, régulièrement des fausses couches, on peut lier ça à des maladies mystiques, etc. Ça a un poids psychologique. Et nous, en tant que spécialistes de la santé, quand on voit cette maladie-là, qui, je le disais tantôt, reste orpheline, ça fait chaud au cœur, pas une chaleur positive, mais vraiment, on se demande si... Ça fait mal au cœur. Voilà. Et la COVID nous a montré que toute maladie n'est pas égale à toute maladie. Mais on espère que, voilà, on aura un meilleur regard sur cette maladie. Ok, docteur Widra, vous voulez compléter? Voilà, allez-y, je vous en prie. Effectivement, cette maladie peut stigmatiser. Voilà, il y a des enfants qui sont stigmatisés. Même les épouses même sont stigmatisées. Et bon, dans notre cohorte, il y a des mamans qui accompagnent les enfants. Ça peut être source pour motiver le monsieur pour aller par une deuxième femme. Sous prétexte que celle-ci donne des enfants qui sont chaque fois malades, ou bien carrément il a répudié.
Voilà. Donc, mais quand c'est le contraire, quand c'est le monsieur qui fait les crises, qui est drépanocytaire, est-ce que c'est les mêmes conséquences dans la vie de famille? Le monsieur qui fait des crises. Mais quand c'est le monsieur qui est drépanocytaire. Bon, moi je m'occupe beaucoup plus des enfants. Bon. Peut-être que docteur, ça va nous bon, peut-être que ça va jouer sur l'épargne familiale. Voilà, et c'est là-bas maintenant que les sources vont, les problèmes vont apparaître, surtout. Voilà. Peut-être pour compléter rapidement, vous savez que nous sommes en Afrique. Le problème dans un foyer, c'est quand ça vient de la femme. Ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Et quand c'est l'homme qui en souffre, c'est la femme a cette capacité de, voilà, de transcender et d'accompagner le mari. Malheureusement, nous les hommes, c'est pas toujours voilà, correct. Ok. Docteur Vidrago, comment se manifeste une crise drépanocytaire et puis comment la calmer? Merci. Ok. En fait, la crise drépanocytaire se manifeste par la douleur. C'est d'ailleurs même le maître symptôme. Donc, quand vous avez vu le reportage, donc, on décrit la douleur comme une douleur de broiement, comme un marteau piqueur. Voilà. Et ces douleurs-là sont le plus souvent localisées au niveau donc, des membres inférieurs, des membres supérieurs, au niveau des côtes du rachis. Voilà, voici un peu les localisations donc, de ces douleurs. Et ces crises-là, ces crises de douleurs sont favorisées, comme l'a un peu rappelé mon collègue, par des facteurs comme l'hypoxie, c'est-à-dire la situation de manque d'oxygène, voilà, le froid, voilà, et la fièvre, le stress, et la déshydratation et surtout. Voilà, voici donc les éléments qui peuvent donc déclencher cette crise-là. Et comment calmer pour revenir, bon, il faut dire qu'on distingue, ces douleurs-là peuvent être d'intensité variable, soit légère, soit modérée, soit donc sévère. Et dans les douleurs légères, donc pour dire les crises simples, c'est généralement des douleurs qui peuvent être prises en charge à domicile. Donc il faut un repos, il faut faire boire donc le malade. Et j'allais dire même que la boisson, l'eau est le premier médicament même du drépanocytaire. Donc il faut qu'on insiste. Donc dans nos consultations, chaque fois on insiste là-dessus. Et surtout en période de chaleur, il faut encore augmenter davantage donc, cette boisson-là. Voilà. Et bien sûr, il faut donner des antalgiques, des antidouleurs, donc qui ont des paliers différents. Maintenant pour les douleurs, les crises qui sont encore plus sévères, donc, dans ces cas de figure-là, il faut nécessairement hospitaliser le malade. Bien sûr, apporter donc une hydratation, soit par perfusion, voilà, et aussi les antalgiques également peuvent être apportés par la voie injectable. Bon, antalgique, je veux dire antidouleur. Voilà. Souvent, on va jusqu'à la morphine, et pour vous comprenez. Voilà, vous comprenez pourquoi, voilà, et ça doit se faire à l'hôpital. Voilà. Professeur Guissou, quelles sont les possibilités de traitement dans le monde et surtout au Burkina Faso, bien sûr, de la drépanocytose? Ok, bon, il a abordé, commencé à aborder la question. Disons qu'il y a la question de la douleur. Bon, c'est déjà assez suffisamment décrit, qui montre le fait que c'est insupportable. Et bon, quand on ne peut pas supporter la douleur, on est aussi exposé à beaucoup d'autres conséquences. Donc, il y a les antalgiques, il les a cités, les trois paliers. Bon, maintenant, le problème, c'est que les antalgiques aussi ne sont pas des médicaments anodins. Et ça, donc, le médecin doit surveiller cet aspect. Parce que si vous prenez la morphinique, la personne peut devenir un toxicomane. Voilà. Ou bien vous prenez les anti-inflammatoires de type, que ce soit non stéroïdien ou stéroïdien, la personne peut avoir des problèmes gastriques. Alors, le médecin est obligé d'être méticuleux pour surveiller tout ça. Voilà. Ensuite, vous avez bon, les anti-inflammatoires, on les met en même temps. Vous avez des médicaments qui peuvent permettre à ce que les vaisseaux, comme on l'avait dit tantôt, puisse se dilater et pour que le globule rouge qui s'est falciformé ne bloque pas voilà, le chemin, si on peut s'exprimer. Voilà. Là, vous avez des vasodilatateurs qui étaient utilisés avant
qui sont vraiment d'appoint pour permettre d'améliorer la circulation. Et ainsi, le malade pourra mieux résister à l'hypoxie, parce que de l'oxygène va passer quand même pour atteindre la question. Alors, il y a d'autres médicaments, et ça a été dit, je crois, dans un des reportages, l'acide folique. L'acide folique est très important parce que c'est un produit qui est à la base, qui peut stimuler la production des globules rouges. Donc c'est un médicament très bien. Elle a dit qu'elle conseillait ça pratiquement toute l'année. Donc c'est très bien comme produit. Et ensuite, il y a, bon, quand il y a la douleur, etc., l'inflammation, il peut y avoir la fièvre. Donc ça aussi, il faut être attentif à ça et pour pouvoir... même heureusement que beaucoup de médicaments sont en même temps antalgiques, anti-fièvre et anti-inflammatoire. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Et maintenant, il y a le médicament, bon, qu'on pourrait dire de dernier niveau, c'est l'hydroxyurée, bon, qui fait quoi? Lui, il va stimuler la production de l'hémoglobine fœtale. Et j'ai constaté que la production de l'hémoglobine fœtale empêche le développement de l'hémoglobine S. Voilà donc l'intérêt de ce médicament. Bon, mais malheureusement, c'est un médicament qui coûte cher. Comme c'est dit partout, bon, ça c'est... Les maladies négligées comme ça, ça pose des problèmes parce que ceux qui sont malades, là, ce sont ceux qui n'ont pas d'argent. Voilà, le plus souvent, c'est cela. Bon. Voilà. Donc, je pense que l'hydroxyurée, c'est le traitement de fond. Sinon, les autres, c'est vraiment des traitements symptomatiques, voilà, qu'il faut vraiment faire. C'est pour ça qu'il faut surveiller la personne, etc. Et tout. Et de dire, il faut que les gens comprennent ça, on ne guérit pas jusqu'à présent de la drépanocytose. Il y a des techniques qui sont utilisées, ce qu'on appelle la greffe de moelle osseuse, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser de la moelle qui porte le trait pour une moelle meilleure, normale, qui va être remplacée, qui va remplacer. Bon. Là aussi, bon, c'est bien, mais ça ne guérit pas, ça permet une stabilisation sur une longue durée. Mais c'est lourd comme méthode, comme technique, comme méthode, et c'est onéreux, très cher. Bon. Donc, ça permet tout juste d'améliorer la qualité de vie du patient. C'est ça. Donc, voilà un peu ce qu'on a en moderne. Hein. Bon, on pourra parler pour ceux qui existent, qui sont issus de la médecine traditionnelle, on pourra parler de ça aussi, comme information qu'on pourrait donner. Alors, bon, maintenant, comme il l'a dit, bon, l'hydratation, c'est important. Bon, peut-être que dans leur cas, est-ce que vous appliquez, vous pratiquez l'oxygénothérapie des fois? Voilà. Donc. Docteur, ça devra compléter. Le drago. Ah oui, drago, okay. Plutôt, docteur. Bon, je voudrais ajouter la technique du traitement par le sang. Voilà, et voilà, comme l'échange transfusionnel qui consiste à retirer un peu le sang du malade où il y a beaucoup d'hémoglobine S et à transfuser avec du sang voilà, normal. Il y a cette technique-là qui peut se faire en échange transfusionnel ou bien transfusion simple, surtout au cours des complications. C'est ça que je voulais ajouter. Voilà. D'accord. Docteur Sawadogo, vous complétez et puis vous nous dites en matière de recherche où en est-on dans le monde et au Burkina Faso. Merci. Je vais juste un peu insister sur ce que Dr Ouedraogo a dit tantôt. Je m'en voudrais en fait de ne pas parler de transfusion sanguine ici. Voilà, exactement. Et au-delà du fait qu'il y a la possibilité de faire les échanges, il faut dire qu'il y a des fois, on reçoit des patients qui sont en douleur, qui malheureusement, les simples antidouleurs ne soulagent pas. Et souvent, on est obligé d'extraire une partie de leur sang et de les hydrater par voie veineuse, justement. Et je vous assure que ça fait des miracles. Voilà.
Et donc, il a très bien dit les autres échanges. Mais est-ce que cela peut se faire de façon régulière? Il y a un programme transfusionnel qu'on peut mettre en place en fonction de la périodicité, de la fréquence des crises. Et régulièrement, on enlève le sang et on lui donne un certain nombre de mesures, surtout l'hydratation, pour que ce qu'il a perdu, le sang qui est visqueux, ce qu'on n'a pas ajouté, c'est que les drépanocytaires ont un certain niveau de taux d'hémoglobine. Une fois qu'ils sont en bas de ce taux, ils ont des problèmes d'anémie. Une fois qu'ils sont au-dessus de ce taux, ils ont également des problèmes parce que le sang est visqueux, c'est lourd, ça ne passe pas facilement les vaisseaux. Et donc, il faut enlever ce sang visqueux-là et ajouter des liquides comme les solutés. Bien sûr, il y a la technique de la greffe de cellules et qui... On l'espère, c'est une promesse pour l'avenir de ces patients drépanocytaires-là. Et le principe est très simple, c'est juste enlever une moelle qui ne produit pas de bons globules rouges et remplacer par une moelle qui produit de bons globules rouges. Bien sûr, c'est dans des conditions bien spécifiques et malheureusement, c'est très onéreux. Et bon, ce n'est pas forcément de la bourse de nos Africains. Et bien sûr, on est toujours en expérimentation. On espère que dans les années à venir, ça va donner de meilleurs résultats. Maintenant, et donc, en matière de recherche, où nous en sommes dans le monde, au Burkina Faso? En matière de recherche dans le monde, il y a un certain nombre de domaines sur lesquels les chercheurs travaillent beaucoup. C'est surtout dans l'amélioration des médicaments qui sont disponibles. Ils travaillent beaucoup à améliorer la qualité de ces médicaments. Il travaille également à comprendre le mécanisme de l'hémoglobine malade et de même que le comportement de cette hémoglobine. Et j'ai tantôt parlé de la thérapie génique qui va remplacer la moelle malade par une moelle bien portante, entre guillemets. Bon, pour ce qui concerne notre pays, c'est dommage de le dire, mais c'est valable pour tous les domaines de la recherche. La recherche se cherche dans notre pays parce que malheureusement, les financements qui viennent dans ce pays pour des questions de recherche, ce sont des questions de recherche qui visent, entre guillemets, à résoudre les problèmes des bailleurs de fonds et non à résoudre nos problèmes de santé. Pourtant, on a l'habitude de dire qu'au Burkina, les chercheurs cherchent et trouvent. Les chercheurs là, on peut dire, non, ben, je pense qu'on ne peut pas... aller dans son sens en disant que la recherche se fait selon les besoins des bailleurs de fonds. Mais c'est à nous-mêmes, si on prend la maladie comme la drépanocytose. D'un point de vue clinique, qu'est-ce que nous pouvons amener comme, recherche pour savoir comment soulager et la maladie, empêcher les complications, etc. C'est vraiment de la recherche clinique. Voilà, ça peut se faire comme ça. Les médicaments, ça vient, c'est vrai. Mais déjà, du point de vue clinique, si on arrive à voir chez le Burkinabé, ou disons chez l'Africain, là, parce que les résultats de recherche qui sont souvent faits en Europe ne correspondent pas toujours à nos populations. Voilà. Donc, c'est nous qui devons faire l'effort. Je suis d'accord qu'ils disent que, bon, les moyens sont limités. D'accord. Dégager les moyens pour faire des recherches sur les maladies qui constituent des préoccupations pour nous. Exactement. Le professeur est très bien placé pour en parler. Et c'est vrai que je vais même profiter de demander l'apport de la pharmacopée dans la prise en charge de la drépanocytose. Professeur Guissou. Bon, disons que les médecins traditionnels là, prennent en charge ces maladies. C'est pour ça qu'on a des terminologies en nom local, etc. Mais le médecin traditionnel, il soigne le plus souvent à partir des manifestations. Il n'a pas la possibilité, comme le médecin moderne ou le chercheur, d'aller voir ce qu'on va appeler la physiopathologie, etc. Ce n'est pas dans sa culture en tant que telle. Mais il connaît, selon les manifestations là, qu'est-ce que lui, il peut amener comme substance pour soulager ou parfois bon, pour certaines maladies, guérir la question. Mais médecin traditionnel, c'est-à-dire il n'a pas là pour habitude d'aller vers des chercheurs pour pouvoir développer enfin, ses connaissances ou en tout cas son patrimoine personnel.
C'est ça qui fait retarder un peu la, la médecine traditionnelle. Sinon, bon, ils ont des recettes qui sont efficaces. C'est comme ça que je disais. Bon, le FACA a été développé comme ça, à partir de l'observation, de l'évidence ethnomédicale chez un tradit praticien de santé. Et à partir de là, on est rentré en laboratoire et pour voir qu'est-ce que c'est que ce produit-là fait chez le malade. Parce qu'il ne faut pas aller amener d'autres problèmes à un malade qui est déjà malade. Et on a mis en évidence, vous voyez ce qu'on a dit, la falsification. Là. Le FACA empêche la falsification, quelle que soit la baisse du niveau de l'oxygène. Deuxièmement, le FACA, lorsque il y a eu un globule rouge falciformé, il le remet en arrondi. Ça, c'est clair, c'est visible, bon, on le voit sous le microscope. En plus, le FACA, il est anti-inflammatoire, analgésique, hein, analgésique, antipyrétique et un vasodilatateur. Vraiment, c'est un produit qui soulage, qui vraiment soulage le patient. Je ne suis pas là pour faire la publicité du FACA, mais je suis obligé d'en parler, puisque c'est le patrimoine du Burkina Faso. Donc, je vais le dire. Il y a d'autres produits hein, pour la drépanocytose, et nous, on a d'autres choses qui sont là en attente, comme on peut dire. Mais sinon, je pense que les médecins traditionnels, il faut les laisser eux-mêmes pratiquer pour que l'on voit. Mais on ne peut pas se substituer à eux. Nous allons découvrir à présent la question des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tendre-Bugo. Alors, Monsieur Lamoussa François Yilgboudo suit l'émission en Ouagadougou. Il a entendu parler du FACA pour la prise en charge de la drépanocytose. Est-ce que ce produit-là est toujours conseillé? Est-ce qu'il est toujours sur le marché? Est-ce qu'on peut le trouver dans tout le Burkina? Il pose la question parce qu'il dit qu'il a entendu qu'il y a eu des soucis judiciaires. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Son autre question concerne la drépanocytose et le mariage. Quel groupe sanguin et non quel groupe sanguin? Qui peut se mettre avec qui? Est-ce que vous pouvez éclairer sa lanterne? Monsieur Ismaël Ouédraogo nous a appelé depuis pas. Il demande si on doit continuer à faire des enfants avec son épouse, si on sait que tous les enfants seront drépanocytaires ou une grande partie des enfants. Et son autre question, c'est plutôt une inquiétude. Est-ce qu'il est vrai que les personnes atteintes de drépanocytose ne vivent pas longtemps? Madame Sakande, elle est à Batier. Elle dit qu'elle a un enfant drépanocytaire qui est SC. Elle utilise le FACA en traitement, mais ces temps-ci, ça ne marche pas très bien parce que l'enfant a beaucoup de crises. Qu'est-ce qui peut expliquer cette recrudescence des crises-là? Et elle se demande pourquoi la chaleur fait souffrir autant les personnes vivant, les personnes drépanocytaires que la fraîcheur. Monsieur Amidou Zundi est à Yagma. Il a appris qu'un médecin burkinabé, docteur Tinto, a découvert un autre remède contre la drépanocytose. Est-ce vrai? Est-ce que c'est testé et tout? Son autre question, c'est est-ce que les drépanocytaires peuvent donner leur sang? Monsieur Daouda Zungrana suit l'émission à Libreville au Gabon. Quand il pleut, il explique sa situation. Quand il pleut et qu'il est mouillé, il souffre depuis les orteils jusque dans tout le corps et il a des démangeaisons et il n'a pas de répit pendant le froid non plus. Il précise qu'il n'a pas encore subi d'examen. Et il aimerait savoir si, au regard de ce qu'il vous explique, il peut s'inquiéter ou bien est-ce qu'il faut faire les examens pour être sûr de sa situation. Monsieur Alexandre Zongo est à Ouagadougou, il est drépanocytaire SC, il a 50 ans et il a fait sa dernière crise il y a 3 ans. Lors de cette dernière crise, il a eu des ballonnements pendant son hospitalisation qui a nécessité qu'on lui mette une sonde pour évacuer du liquide. C'est sa question, est-ce que cela est lié à la drépanocytose? Il dit qu'il prend un produit, je ne sais pas si on peut donner le produit, et du citrus SR.
Il a fait le traitement, mais le problème persiste et il dit que ce qui le fait souffrir davantage, ce sont les problèmes respiratoires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez une solution pour lui? Monsieur Diallo Assimi nous a appelé depuis Bougandé. Il salue le choix du thème et puis il souhaite plus de numéros sur ce sujet-là pour sensibiliser les populations. Madame Bibata Tiemtore, elle est à Ouagadougou. Elle dit qu'elle a une sœur qui souffre de problèmes de douleurs osseuses. Mais les examens sanguins révèlent que sa sœur est AA et O+. Elle aimerait savoir si donc on peut être AA et O+ et être drépanocytaire, ou bien est-ce qu'il faut chercher la cause de ces maux ailleurs. Monsieur Amadou Sourabier nous a appelé de Banfoura. Lui veut savoir si tous les AS sont drépanocytaires. Est-ce qu'ils peuvent pratiquer le sport? Si oui, quel sport, selon quel âge? Madame Kabouré est à Wayugia. Quand elle a fait son analyse, on a dit qu'elle est AC. Et sur le bulletin, on a mis AC et drépanocytaire. Mais depuis le début de l'émission, elle constate que vous n'avez parlé que de SC et SS comme étant drépanocytaire. Où est-ce que vous mettez les autres? Est-ce qu'elle, elle peut être considérée comme drépanocytaire? Elle précise qu'elle souffre de douleurs articulaires. Madame Kaira Traoré, elle est à Ouagadougou. Elle a entendu parler de greffe de la moelle pour la prise en charge des personnes drépanocytaires. Est-ce que cela est possible au Burkina Faso? Est-ce que d'abord c'est vrai? Est-ce que c'est accessible? Et où est-ce qu'on peut aller pour faire ces greffes-là? Et vous avez également parlé de vaccins. Est-ce que c'est un seul vaccin ou il y a plusieurs autres genres de vaccins? Est-ce que ces vaccins-là sont disponibles? À partir de quel âge on peut se faire vacciner? À quel coût? Et est-ce que la maladie se limite aux personnes SC et SS? Est-ce qu'il y a d'autres situations où on est drépanocytaire? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Professeur Guisson, revient sur le FACA. Donc, est-ce que c'est toujours conseillé? Vous l'avez dit que ça faisait des merveilles. Monsieur Ilboudou a entendu parler des soucis judiciaires avec ce produit. Il veut en savoir davantage. Est-ce vrai? Et puis, est-ce que il y a une autre question qui est reliée au FACA? La dame qui a son enfant. Le FACA ne répond plus parce qu'il y a une recrudescence des crises. Merci. Je pense que les téléspectateurs ont posé des questions basées sur leurs préoccupations quotidiennes. Tout à fait. Bon, disons que le FACA est disponible, le FACA est toujours produit et se retrouve dans les officines puisque le FACA a l'AMM. Question judiciaire, vraiment, je n'en suis pas au courant en tant que tel, parce que je n'ai jamais été appelé en justice en tant que moi, ou en tout cas les propriétaires du FACA. On n'a pas vu de quoi il s'agit. Tout ce que je peux dire, en tout cas, il y a un engouement pour le FACA à travers, même au-delà du Burkina, je veux dire. Donc, personne ne nous a fait un retour en disant que, il y a des problèmes. Lié à ceci. Je voudrais bien une précision pour pouvoir répondre. Ok. Alors, l'autre, c'est l'enfant qui ne répond. Voilà, ça marchait. Mais ça donnait une recrudescence des crises, donc ça fait moins de défi. Voilà. Maintenant, il faudrait voir est-ce que la personne applique le bon schéma thérapeutique à l'enfant. C'est ça. Et puis quand l'enfant est en crise, il ne faut pas rester sur ce qui est préconisé pour la prévention. À ce moment, ça ne marche plus. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait plus de données pour que je puisse donner des conseils à cette personne-là. Voilà. Maintenant, on a posé la question, est-ce qu'il y a un autre produit?
Oui, qu'il y a un autre produit du docteur Tinto. Bon, vraiment, je n'en ai pas entendu parler. Je vais me renseigner. Hein. Mm-hmm. Comme ça, si j'ai quelque chose, je pourrais vous le dire. D'accord. Mais je ne sais pas. OK. Toujours une question de M. Ilboudo. Ça concerne le mariage. Quels rhésus et quels rhésus doivent se mettre ensemble? Docteur Sabado. OK, très bien. Ça doit être plutôt un combat des autorités sanitaires. Moi-même, j'allais jusqu'à proposer, pourquoi pas, qu'on légifère sur des cas spécifiques de personnes autorisées à se marier, oui ou non. Nous nous proposerons que tout le monde puisse connaître l'électrophorèse de son hémoglobine. Et quand je suis, si par exemple je suis AS et que ma conjointe est AS ou AC, dans le schéma nous l'avons vu, nous avons un risque de mettre au monde un enfant SC. Si je transmets le S et que ma conjointe transmet le C, l'enfant sera SC. L'idéal serait que tous les couples, avant de se marier, puissent faire l'électrophorèse. Et une fois que je suis AS, il faut que malheureusement, je puisse checker parmi mes copines là, trouver celle qui serait AA. Là, il n'y a aucun risque de mettre au monde un enfant drépanocytaire. Ça doit être un combat. Et c'est vrai, il y a l'amour, mais j'ai tantôt parlé du sentiment de culpabilité. Vous avez écouté dans les reportages des parents qui n'en pouvaient plus. Et l'amour, oui, mais attention, il faut qu'on ait une vie de famille épanouie. Et la vie de famille épanouie, il y a plusieurs facteurs favorisants. Maintenant, je vais peut-être profiter de répondre à cette bonne dame qui est AC et chez qui on a écrit, en tout cas sur le bulletin drépanocytaire. Il faut qu'on fasse la part des choses, je ne dirais pas une bonne fois pour toutes, parce que la sensibilisation se poursuit. Seule l'hémoglobine S est appelée hémoglobine drépanocytaire. Le S vient de l'anglais sickle, qui veut dire fossile, qui veut dire croissant lunaire. C'est de là que ça vient. Maintenant, ceux qui sont C, ils ont une forme d'hémoglobinopathie qui n'est pas forcément la drépanocytose, mais qui, bon, des moments, ils peuvent avoir des problèmes, en tout cas, en termes de douleur, etc. Alors, il y avait... Oui, à l'autre question de M. Ouedraogo, est-ce qu'on doit continuer de faire des enfants avec sa femme si on sait que tous les enfants seront drépanocytaires? Docteur Ouedraogo. Lorsqu'on sait que... Comme on dit, bien sûr, la femme est drépanocytaire et l'homme est drépanocytaire. Bon, ça dépend de... Bon, nécessairement, ils vont mettre au monde des enfants qui seront drépanocytaires. Maintenant, le choix revient à eux. Voilà, le choix revient à eux. Son autre question, est-ce que, on a dit dans le reportage, question revient, est-ce que les personnes atteintes drépanocytaires vivent longtemps? Bon, je voulais insister d'abord sur le fait, parce que le problème, c'est quoi? Les gens se rencontrent, ils font des enfants, et après, ils viennent régulariser, ils font le mariage. Donc, alors que dans pour faire le mariage, il y a un certificat prénuptial qui est établi, dans lequel on doit faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, les gens court-circuitent les choses. Permettez-moi un peu de dire. Vous voyez, nous sommes dans c'est vraiment un comportement social. Un couple peut savoir qu'ils sont AS avec les risques et parfois c'est difficile de leur dire de s'abandonner. Ça, c'est là. Bon, jusqu'à présent, on a parlé, mais on n'a pas fait cas du psychologue et la place du psychiatre. Les gens ont peur du psychiatre, mais le psychologue, parce que c'est là l'importance de leur travail. Ici. Et puis, quand vous parlez de mariage, ça c'est le mariage civil, le certificat prénuptial. Mais il y a combien de mariages qui se font dans les mosquées, dans les églises? Est-ce qu'on demande forcément ce pays dans nos villages? Ah, je crois qu'il faut sensibiliser. La sensibilisation, là, okay. Comme il disait, c'est très important. Nous allons continuer avec. Ouais. C'est vrai qu'on a répondu à cette question, chaleur et puis fraîcheur, les extrémités. Oui. La condition, ça dépend de quoi? Ça dépend du suivi. Voilà. Avant, bien sûr, bon, comme, et c'est ce que les gens gardent d'ailleurs, même certains praticiens,
disent aux drépanocytes qu'ils ne vont pas vivre longtemps. Donc je pense que les choses ont évolué. La vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Je pense qu'avec le suivi, beaucoup de choses ont changé. Et quand vous allez ailleurs, ceux qui ont les moyens, les drépanocytes vivent longtemps. Et même au Burkina, il y en a qui vivent longtemps. Je connais des drépanocytes qui sont du troisième âge. Voilà. Il suffit de se dépister tôt et de se faire suivre. Voilà. Docteur Sawadogo, est-ce que un drépanocytaire peut faire un don de sang? La réponse, c'est non systématique. Parce que le drépanocytaire, c'est quelqu'un qui a souvent, ce qu'on l'a dit tantôt, des anémies. Et l'anémie, c'est la baisse donc du taux d'hémoglobine, ça veut dire le sang dans l'organisme n'est pas suffisant. Le drépanocytaire également peut, à un moment donné, avoir besoin de sang. Du coup, on ne peut pas prélever son sang de peur de l'exposer. L'autre aspect, c'est que même si par hasard, parce que ça arrive, on ne teste pas donc l'électrophorèse chez les donneurs, même si par hasard cette personne arrive à donner le sang, il a de l'hémoglobine qui n'est pas fonctionnelle. Et donc l'objectif de la transfusion, qui est d'augmenter le taux d'hémoglobine, d'apporter plus d'oxygène à l'organisme, ne sera pas, en tout cas, atteint, parce que la personne n'a pas beaucoup de... En tout cas, n'a pas de bon sang, entre guillemets. Il y a cette question aussi concernant AA et O+. Le AA, si l'examen est très bien fait, le AA est une personne saine. Le AA n'est pas drépanocytaire. Mais dans notre pratique quotidienne et courante, on rencontre des personnes qui nous viennent avec des électrophorèses AS. Et du coup, quand on regarde sur le plan clinique, les manifestations n'ont rien à voir avec un AS classique. Et c'est peut-être lié au fait qu'il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques. Et ces AS, quand on combine ce résultat avec le résultat de la numération formule sanguine et le frottis sanguin, on se rend compte en fait que c'est très souvent des bêta-thalassémies plutôt que des AS. En tout cas, c'est une préoccupation de Mme Thiem Touré, Bibata. Elle dit qu'elle est AA et puis O positif. Donc, elle a des douleurs osseuses. Elle se demande si on peut être AA et drépanocytaire ou alors elle doit aller chercher la cause de ces maux ailleurs. La drépanocytose, généralement, c'est une maladie. Ça ne survient pas au cours de la vie. On est avec. Si elle est effectivement AA, elle peut se rassurer qu'elle n'est pas drépanocytaire. Maintenant, ça dépend de à partir de quand ces douleurs ont commencé. Et bien entendu, à partir de 30 ans, avec la maternité, etc., on va avoir des douleurs osseuses, des douleurs articulaires. Il faut qu'elle aille chercher plutôt la cause de ces douleurs-là ailleurs, plutôt que de l'associer à la drépanocytose. Si elle est vraiment AA. On peut, professeur, je vais demander, c'est-à-dire que quand on fait l'évaluation biologique là, normalement il serait bon de voir quel est le rapport, la proportion entre le A et le S. Parfois vous avez certains dont le S là est trop important par rapport au A. Il va avoir quelques... De temps en temps. Mais il faut leur arriver à leur faire comprendre qu'ils ne sont pas Voilà, parce qu'ils ne sont pas disponibles dans tous les laboratoires. C'est ça. Voilà, il faut faire quantifier les fractions et bon, je pense que ça va, le problème sera résolu. Ok, il y a, il y a Monsieur Zungrana qui est au Gabon. Il dit quand il pleut et qu'il est trempé, il souffre des orteils et partout dans le corps et il a également des démangeaisons. Donc, il n'a pas de répit non plus pendant le froid. Il précise qu'il n'a pas encore subi des examens pour déterminer ce qu'il y a. Mais il demande votre avis, professeur Guissou. Est-ce que ça peut, il peut être drépanocytaire? Doit-il s'inquiéter de ces signes? Voilà. Et puis, il ne supporte pas l'eau fraîche. Oui, mais comme ça, pour être sûr, ça, ce qu'on lui dit, il faut qu'il fasse l'électrophorèse. Au moins, ça, il va écarter ou pas. Et bon, quand il pleut, ça dépend dans quel sol il marche. Ce sol-là, est-il pollué ou n'est-il pas pollué? Il y a beaucoup d'incertitudes dedans qui font que, bon, on ne peut pas lui donner, comment dirais-je, un conseil direct pour lui dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se surveille et qu'il aille voir le médecin.
à chaque fois que l'élément se produit. Je crois que c'est ce qu'on peut lui dire. Mais déjà, il faut qu'il a, si l'inquiétude de la drépanocytose, il faut qu'il aille faire le test. Au moins, ça va le calmer. Et puis, bon, le reste, maintenant, il faut aller voir le médecin. Docteur Savadogo, un drépanocyteur, monsieur Zongo, ST, il a 50 ans. Il a fait sa dernière crise il y a 3 ans. Donc, il a fait un traitement, mais le problème persiste. Il dit qu'il prend du Tanaka et Citrus SR. Il a des problèmes respiratoires. Il demande que faire. Lors de sa dernière crise, il a eu des ballonnements qui a nécessité qu'on lui mette des sondes. Sa question, est-ce que cela est lié à la drépanocytose? Alors, je vais directement sur son ballonnement. Le ballonnement, ça peut être une crise vaso-occlusive localisée au niveau abdominal. Ça peut être également une pathologie digestive qui n'a rien à voir avec sa drépanocytose. Dites-vous que le drépanocytaire, c'est une personne normale et tous les épisodes de maladie ne sont pas forcément des crises de drépanocytose. Il peut faire des maladies comme n'importe quelle autre personne. Maintenant, je suis rassuré, il a 50 ans. Ceux qui pensent que le drépanocytaire ne vivra pas longtemps, ça fait quand même 50 ans. Il est tout juste à côté de l'espérance de vie qui est de 53 ou 56 ans à peu près dans notre pays. Et depuis 3 ans, il n'a pas eu de crise. C'est dire que peut-être qu'à un moment donné, il a été respectueux d'un certain nombre de mesures. Je disais tantôt, le drépanocytaire est entièrement responsable de sa maladie. Et s'il constate qu'il a des crises répétitives actuellement, il faut qu'il aille en consultation, qu'on le check, qu'on fasse un certain nombre d'examens pour s'assurer que déjà son taux d'hémoglobine n'est pas au-dessus de la normale ou bien bas, ou bien alors il n'a pas une situation infectieuse ou quelque chose d'autre. En tout cas, c'est le clinicien qui pourra statuer sur son état. Docteur Ouédraogo, c'est la question de M. Yao Salif. Est-ce qu'un époux AA, une épouse AA peuvent donner naissance à un drépanocytaire? Absolument non. Je pense que c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. Mmh. Voilà, absolument non. Est-ce que tous les AS sont des drépanocytaires? Ça, c'est M. Sourabi. Je pense que la question avait été un peu posée. Voilà, c'est dans les situations où il y a, comment on appelle, le diagnostic, il y a une erreur diagnostique que cela se pose. Sinon, si c'est un véritablement AS, il est considéré comme un trait drépanocytaire et il n'est pas malade. Maintenant, voilà, comme certains AS qui se présentent avec leur bulletin et qui font donc des crises, voilà, donc on leur conseille d'aller faire une électrophorèse d'hémoglobine avec dosage et diffraction pour dépister les cas de S-bêta-thalassémie. Voilà. Est-ce qu'un drépanocytaire peut pratiquer une activité sportive sans risque? Bon, je pense qu'il est même conseillé au drépanocytaire de faire du sport. Quel voilà. type de sport? Voilà, mais du sport moins violent, voilà, qui ne nécessite Comme pas quoi? Beaucoup de... Bon, la marche, le vélo, voilà, la natation. Mais il faut qu'il prenne un certain nombre de dispositions. Voilà. Il faut qu'il ait à côté de l'eau pour pouvoir boire à chaque fois. Dès qu'il est fatigué, qu'il puisse s'arrêter, se reposer et recommencer. Voilà. Si c'est pour la natation, il faut que la température de l'eau soit autour de 25 degrés et qu'il puisse s'essuyer rapidement. Okay. Et voilà. Je ne sais pas si okay, je peux continuer. Professeur Guissou, il y a Mme Kabore qui dit depuis qu'elle écoute l'émission, on ne parle que de SCSS comme étant des drépanocytaires. Pourtant, c'est vrai que vous avez répondu à la question. Elle précise qu'elle souffre de douleurs articulaires. Elle est AC. Que doit-elle comprendre puisque vous dites que AC n'est pas drépanocytaire? Ça, c'est le docteur Sarou qui avait dit les AC, mais elle souffre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Aller en consultation pour déterminer son mal, mais elle n'est pas drépanocytaire. Oui, voilà, justement. Bon, de toutes les façons, on vous dit que quand vous vous sentez mal de quelque chose, mieux vaut aller vers l'agent de santé qui va vous rassurer, en tout cas, et vous donner d'autres conseils, peut-être d'investigation, pour voir quel est le support de cette douleur-là. Parce que la douleur, c'est une sensation qui traduit qu'il y a un malaise quelque part. C'est ça qu'il faut rechercher. Okay, l'autre question de Mme Traoré, donc elle parle de la greffe de moelle. On en a parlé dans la prise en charge. Mm-hmm. Elle n'est pas disponible au Burkina, mais effectivement,
dans les pays développement, dans les pays développés, c'est disponible, même si cela est onéreux et puis vraiment lourd comme prise en charge. Donc, elle parle également qu'on a parlé des vaccins. Donc, est-ce que ces vaccins sont disponibles pour tout le monde ou à quel coût? Donc, le Drago avait parlé de ces vaccins. Les premiers vaccins, c'est les vaccins du programme élargi de vaccination. Voilà, c'est d'épuiser ça. Maintenant, à la suite, il y a des rappels qu'on peut faire. Et ça, généralement, c'est aux frais donc, des parents. Et il y a d'autres vaccins qu'on recommande dans la drépanocytose, notamment les vaccins contre les infections bactériennes. Voilà, c'est vrai qu'on avait déjà parlé. Voilà, justement, si vous avez suivi le... Donc, nous allons découvrir le dernier rôle de questions des téléspectateurs. C'est toujours avec Viviane Tiendre-Beugo. Alors, M. Amidou Konaté nous a appelé de Bobo Dilasso. Il a eu une mère drépanocytaire qui est décédée à plus de 100 ans et lui-même, il a plus de 60 ans. Il aimerait comprendre, au regard de ce que vous avez dit, est-ce que c'est vraiment la drépanocytose qui fait que les drépanocytaires ont une faible espérance de vie? M. Tchombianou nous a appelé de Fada. Il a entendu que les drépanocytaires ne font pas le palu. Est-ce que cela est vrai? Si oui, pourquoi? Pourquoi c'est surtout chez les Noirs en Afrique qu'il y a le plus de drépanocytose? Vous avez parlé sur le plateau de bêta-palacénique. En français facile, ça veut dire quoi? Docteur Guissou est interpellé. Où est-ce que vous en êtes dans la recherche pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose et des autres maladies négligées qui nous concernent en tant qu'Africains? Monsieur Marcel Kabouré a découvert que son enfant est AS avec, selon les spécialistes, un A mineur. Que faut-il qu'il comprenne? À quoi faut-il s'attendre pour le futur de cet enfant? Il précise que la première crise a eu lieu après une séance de natation. Est-ce qu'il faut désormais lui interdire la natation? Quelle attitude au quotidien pour lui permettre de bien grandir? Madame Ouédraogo est à Waïvia. Elle a entendu parler de l'électrophorèse. Elle a effectué son analyse et au résultat, elle est CC. Elle aimerait savoir ce que cela implique pour sa santé. Madame Francine Zongo est à Ouagadougou. Elle aimerait connaître les conséquences de la drépanocytose sur la santé de la personne qui est touchée, sur la vie, par exemple, d'une famille qui a deux enfants drépanocytaires SC. Monsieur Nadoro Souleymane Traoré est à Koudougou. Il entend souvent, lui aussi, que les drépanocytaires font rarement le palu. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Excepté l'hérédité, est-ce qu'il y a d'autres causes de drépanocytose pour ceux qui en souffrent? Monsieur Ousmane Sawadgo Abobo Dulasso dit qu'il a eu un mal de genou en 2011 qui s'est infecté. Il a fait le traitement, ça allait mieux, mais récemment, le mal a ressurgi. Comment faire pour en finir totalement avec cela? Il précise qu'il est drépanocytaire. C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Donc, nous allons rapidement répondre aux questions. Bon, ça, c'est la préoccupation de M. Konaté. Sa maman était centenaire drépanocytaire, donc lui-même, il en a 60 ans. Donc, de toute façon, on avait déjà répondu à la question. L'espérance de vie qui était moins élevée n'est plus d'actualité. Il suffit de se prendre en main et de suivre les formes plus sévères que d'autres. Voilà. D'accord. Donc, on a dit, est-ce que les drépanocytaires font le palu? Vous pouvez, ok, allez-y, docteur Osaro. Il faut dire ici que on ne l'est pas rentré dans les détails. Sinon, l'historique de l'existence de l'hémoglobine S, c'est que c'est une hémoglobine qui est survenue pour permettre aux personnes vivant dans des zones vraiment où il y a beaucoup de palus de résister au paludisme. On a dit tantôt que c'est une maladie de l'hémoglobine. Et vous savez que le plasmodium, qui est le parasite donc, du paludisme, quand il rentre dans l'organisme, c'est le globule rouge qui l'attaque. Et le globule rouge contient l'hémoglobine. Donc, pour pouvoir résister donc, au plasmodium,
l'organisme s'est muté. En fait, l'hémoglobine s'est modifiée pour pouvoir résister donc au paludisme. Et c'est pour dire que c'est uniquement, en tout cas les personnes qui sont AS, qui résistent mieux au paludisme. On n'a pas dit que le drépanocytaire ne fait pas le palu. Le drépanocytaire est exposé à tout type d'infection, dont les infections parasitaires et donc dont le paludisme. Et justement, en période hivernale et tout, il faut qu'on puisse conseiller le drépanocytaire de prendre de la prophylaxie contre le palu, de dormir sous moustiquaire, etc. Ok, docteur, professeur Guissou, on a parlé de Bella Palacénique. En français facile, c'est quoi? Bon, c'est également une anomalie au niveau du globule rouge, mais qui est différente de la drépanocytose. Okay. Qui conduit à ce qu'on appelle les hémoglobinopathies, normalement. Ok, la recherche, vous êtes interpellé. Où en êtes-vous dans la recherche pour la prise en charge de la drépanocytose et des autres maladies négligées? Qui nous concerne, bien sûr. C'est ça, mais nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Je pense que si on regarde dans les tiroirs des laboratoires, on va voir qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont fourni des résultats, mais qui sont bloqués à un niveau donné, soit par faute de moyens, soit par faute des difficultés d'aller plus en avant dans la recherche par la faiblesse des plateaux techniques. Voilà. Donc, et comme, pour ne pas répondre encore à ce qu'il dit, effectivement, des fois, le chercheur est obligé d'aller chercher un partenaire pour pouvoir s'en sortir. Voilà, c'est ça. D'accord, docteur Ouédraogo, un enfant qui a un A mineur, donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Est-ce que Il précise que la première crise est survenue après une séance de natation. Est-ce qu'il faut lui interdire cela désormais? C'est vrai que vous avez conseillé la natation comme étant, mais dans des conditions de bien précises. Justement, il faut tenir compte de la température de l'eau, la durée dans l'eau. Et une fois sorti de l'eau, c'est de pouvoir se tamponner rapidement pour ne pas prendre froid. Donc, voilà, je pense que c'est... Sinon, l'enfant peut faire la natation, mais en respectant donc certaines conditions que j'ai énumérées bien avant. Excepté l'hérédité, est-ce qu'il y a d'autres causes de la drépanocytose? Non, je crois pas. D'accord. Ok, M. Sawadogo, il a eu mal au genou en 2011. Il s'est infecté, il a traité, ça allait mieux, mais récemment, le mal de genou a ressurgi. Comment faire pour en finir totalement? Il précise qu'il est drépanocytaire. Docteur Sawadogo. Ok, ça fait partie en fait de l'une des complications chroniques de la drépanocytose. On ne les a pas toutes listées, mais l'ulcère de jambes, par exemple, fait partie des complications de la drépanocytose. Et s'il se rend compte effectivement que ces douleurs-là ont repris, il faut que le maître mot, c'est le suivi. Il faut qu'il reparte voir son médecin, qu'on fasse le traitement et le bilan. Et peut-être que, pourquoi pas, un traitement transfusionnel pourrait le sauver. Souvent, les gens oublient cette option thérapeutique-là, mais il faudrait souvent y penser parce que ça fait de bons résultats. Ok, peut-on prévenir la drépanocytose, docteur Ouédraogo, vite, oui. Rapidement. Bon, je vais insister sur un fait. La vraie prévention de la drépanocytose, c'est éviter que... en fait, c'est permettre aux gens de se dépister et avant le mariage. Ça, c'est la meilleure des préventions. Maintenant, les autres préventions, c'est une fois que la maladie s'est installée, ça, c'est pour éviter les complications. D'accord. Voilà. Docteur Sawadogo. Alors, par rapport à la prévention également, il faut dire qu'il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a le fait d'éviter que ça arrive. Et puis, surtout, dans ce contexte de COVID-19, quels conseils vous avez à donner? Le premier des conseils, c'est d'être assuré, de respecter toutes les mesures barrières qui ont été édictées et de garder un lien fort et rapproché avec son médecin traitant. Ne pas tout de suite se rendre à l'hôpital parce qu'on a une petite céphalée, etc. Et dès qu'on se sent vraiment fiévreux ou autre, il faut qu'on puisse se confiner et poursuivre, donc respecter ce qu'on a dit de faire, appeler le 35-35 et vraiment ne pas paniquer. Voilà. D'accord. Professeur Guissou, comment prévenir, peut-on prévenir la drépanocytose et quel message vous avez pour la population?
par rapport à cette maladie? Le premier point de départ de la prévention, comme on l'a dit, c'est le dépistage précoce. Ça, c'est important. Une fois que le dépistage est fait, comment surveiller pour que les facteurs nuisibles là puissent intervenir chez l'intéressé, chez qui on a diagnostiqué la drépanocytose. Donc, un appel à la population, c'est de vraiment se dépister. Quelle que soit l'âge, si on n'a pas pu le faire en étant enfant, ce n'est pas tard. Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'est ce que je pourrais dire. Et aussi, dire de comprendre les enfants malades. Il faut les comprendre. J'ai l'enfant, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, c'est au plus grand de le comprendre et de l'aider à vivre sa maladie. Ah, voilà, exactement. Et comme je disais tantôt, il faut qu'on intègre les psychologues, voire les psychiatres dans cette prise en charge-là, parce que ce n'est pas facile. Quand on souffre, on ne veut plus rien entendre. Et nous devons aider les enfants à vivre leur vie de drépanocytaire avec la même qualité que quelqu'un qui a une vie normale. Enfin, on va demander aux autorités aussi, comme ça a été dit partout, hein, il y a insuffisance de plateaux techniques, il y a insuffisance de médicaments, de vaccins, et même, il y a insuffisance de personnel. C'est ça, de personnel spécifique pour pouvoir vraiment prendre en charge cette pathologie. Et il est bon de déclarer la drépanocytose là comme maladie prioritaire de santé publique au Burkina, parce que c'est le cas. Et moi, je voudrais vous remercier pour avoir organisé cette discussion à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose et vous encourager à continuer à l'éducation sanitaire des populations du Burkina. Voilà. Donc, moi, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est bien la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Maga. Prenez bien soin de vous. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG. L'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit. On vous suit.